Ici la voix. Soyez les bienvenus dans la nouvelle maison des secrets, là où nul n'est à l'abri des regards indiscrets, ni même des regards très discrets. Voir sans être vu, découvrir sans être découvert, écouter sans être entendu, c'est l'arme de la Secret Box. Les habitants devront se méfier de l'eau qui dort, car la Joconde, elle, ne ferme jamais l'œil. Comme la voix, la Joconde est au courant de tout, et le courant est partout, faisant passer des informations invisibles d'une pièce à l'autre, même dans celle dont l'existence n'est pas révélée. La voix, c'est que pour protéger un secret, mieux vaut l'enfermer. Alors, qui saura pénétrer les mystères de la maison et écrire son nom dans l'histoire? Qui saura décoder les mots et accéder à un nouveau chapitre? La voix, c'est que certaines découvertes peuvent emmener les habitants très loin. À la rencontre d'une Joconde indienne ou d'une statue garante des libertés? Liberté de voir la réalité de mille façons différentes? Mais attention, dans la chambre rose comme dans la bleue, les trois regards se mêlent aux songes des habitants. Flottant à la surface d'une vérité que tous ignorent, sauf peut-être la Joconde recueillant les confessions qui s'élèvent vers le ciel. Vers un bonheur, il faut l'avouer, rarement sans nuage. Et oui, la voix est partout, et surtout là où on ne l'attend pas. Alors un conseil, dans la maison des secrets, sachez obéir, au doigt et à l'œil.